En fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais le guéridon par le col et je mettais deux tartes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé. Attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy, je l'ai attrapé, j'ai mis deux barres dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Bonsoir. Bonsoir, Gérard de Saint-Ouen. Gérard de Saint-Ouen. Eh bien, nous t'écoutons. Oui. Bon, moi, déjà, je voudrais dire, guéridon, c'est pas normal que les jeunes, comme ça, là, ils s'accaparent l'antenne pendant une heure. Hein. Oui, bon, on va pas parler de sans arrêt. Voilà, ils sont pas là, t'es là, voilà. Guéridon, mais il faut que tu les dégages. Hein. Ouais, d'accord. D'accord, bon. Moi, je voudrais parler de mon addiction au Paris sportif, avec mon ami Didier. Didier Paris. Espèce d'enculé, va. Oh là là. Non, mais non, ça, c'est simple. Là. On les connaît, on les reconnaît avec sa voix qui venait du fond de la gorge. On savait qu'il allait y avoir une connerie, voilà, tout simplement. Bande d'attardés, voilà. Vous avez rien à faire de votre voilà, vie. Voilà, mais c'est, voilà, tout simplement. Voilà. Prononcer un nom de famille sur l'antenne, voilà, et pour eux, ils jubilent, voilà. Mais bon, ça se paiera, de toute façon, on sait bien qui sera le premier à payer. Le dossier, tu vas pas tarder à le voir à arriver. T'inquiète pas. On a l'impression que t'es impatient, Papy Tricot. Il réclamait le dossier depuis tout à l'heure. Mmh. Mais on a l'impression que t'es impatient. Mais t'inquiète pas, moi, j'ai tout mon temps, tu sais. Il n'y a pas de souci, l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. 01-34-12-22, qui accueillons-nous maintenant? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, moi c'est Pascal. Oui Pascal, nous t'écoutons. Bonsoir. Alors moi j'ai personnellement fait l'expérience du sevrage d'internet pendant une semaine. C'était à la suite d'une idée un peu idiote avec un ami. Et résultat, lui, il m'avait dit, bah écoute, je te mets au défi, il va falloir que tu réussisses à tenir pendant une semaine sur internet, sans console de jeu, quoi que ce soit. Alors, comme j'ai grandi là-dedans, c'était vraiment pas facile, et j'ai quand même essayé de redécouvrir un petit peu les joies de ce qu'on pouvait trouver dehors. Donc, j'ai remarqué que je sortais beaucoup plus qu'avant, par exemple. Aussi, accessoirement, il avait un Hummer rouge, donc on faisait beaucoup de balades dedans, alors qu'avant, j'en faisais. Le Hummer rouge, on n'a pas oublié, merci. 01-34-12-12-22. Ils n'ont rien à faire de leur vie. Oh là 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 là, mais quelle tristesse.